The wonderful Lord and Savior Jesus Christ declared, "What profit is it for a man or woman to gain the whole world if they lose their soul?" My dear brothers and sisters in Christ Jesus, you are about to listen to the moving testimony of my son, Winton Japhet Nama, whom Satan was dragging into hell with the seduction of the riches and glory of this world. This son of mine, whom I expeditiously baptized yesterday by the grace of God, was snatched from the path of perdition, where he was heading because of his passion for the vain things of this world. Get ready to listen to his edifying testimony. I give thanks to God, the Almighty God, for this amazing deliverance. Good morning, good afternoon, everybody, brothers and sisters. Bonjour, tout le monde. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. It's a pleasure to be with you today. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. And I want to begin by thanking our Lord Jesus Christ for this amazing morning. Je vais commencer. Je vais commencer par dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette matinée importante. And for the amazing miracle that has occurred in this moment in time. Et pour le miracle incroyable qui s'est passé en ce temps, en ce moment. Without further ado, I'm going to begin by giving my testimony or actually amplifying what my father here has already began saying. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec mon témoignage, ou mieux, amplifier ce que mon père a commencé à dire. So, as he said, I had this this burning passion to serve, and serving people and serving my community is something I always found pride in myself. Et j'ai commencé, j'avais cette passion de vouloir servir ma communauté, aider les gens, servir ma communauté, cette passion à moi. And it's that passion which initially led me to my interest in joining the military. Et cette passion au départ m'a conduit à vouloir joindre l'armée. But after my father took me to scripture and was able to convince me that it might not be in the best interest of a Christian to serve. Et quand mon père m'a conduit à travers les Écritures, il m'a convaincu qu'il ne serait pas de l'intérêt d'un chrétien, ce ne serait pas la meilleure façon par laquelle un chrétien peut servir Dieu. I took on to another endeavor. Et après donc la passion pour l'armée, je suis allé à une autre passion, à une autre aventure. And this was political activism. Et c'était l'activisme politique. And we're going to have a good time tonight, aren't we? The war. Foreign power in order to lose its border. And so I initially began doing this in 2022. So et j'ai commencé à faire cela en 2022. And I began by getting in contact with other young people across this country who had similar interests. Et j'ai commencé à rentrer en contact avec d'autres jeunes dans ce pays qui ont des intérêts similaires. And together we started networking and marketing our plan. Et avec avec eux, nous avons commencé à faire le network et à faire le marketing de notre projet, de notre plan. And when all of that was done, we established a official organization. We actually registered ourselves with the government. Et après cela, nous avons commencé notre organisation et nous l'avons même enregistré avec le gouvernement. And this is where things began to take off. Et c'est là où les choses ont commencé à décoller. And I think it's very important to mention that I had an initial intention
Or at least I thought that my organization was going to bring glory to God. Et en fait, au début, mon intention, c'était ce que je pensais, mon intention, c'était de glorifier Dieu à travers mon organisation. Because me and these very amazing people, we saw all the atrocities that are taking place in this country. Et moi et ces merveilleux jeunes hommes, ces jeunes enfants, ces jeunes personnes, moi et ces merveilleux jeunes personnes, nous avons constaté les atrocités qui se passent dans ce pays. And we were very afflicted by it. Being people that were born here, it was very disheartening for us to see these things taking place. Et en tant que des enfants, des personnes qui sont nées dans ce pays, nous avions le cœur brisé en voyant ces atrocités qui se passent dans le pays. So we thought that by taking our agenda to combat against these things and to rally against it, we could initially change people that way. Et nous pensions que avec notre agenda, avec ce programme, en ralliant les jeunes dans ce programme, nous pouvions combattre ces atrocités qui se passent dans ce pays. So we got hard at work. We began campaigning, hosting events online. Et nous avons donc commencé à travailler tellement dur et à faire des campagnes sur Internet. We contacted a lot of powerful and influential people, like my father said. Et comme mon père a dit, nous avons commencé à contacter des personnes très influentes dans ce pays. And we were receiving endorsements and preparing events, in-person events that we wanted to host. Donc, nous avons commencé à être endorsés et à être sollicités pour de grands événements qui y avait à organiser. So to make the story short, my mom came with the vision that she one afternoon while she was at work. Et donc, après, ma mère est venue donc avec cette vision. This was cette vision dont j'ai parlé tantôt. And this was a few months after. Et ça, c'était quelques mois après. And she told me about what God wanted me to know. Et ma mère m'a fait comprendre, m'a expliqué ce que Dieu voulait que je comprenne. The thing was, at that specific time, I was dealing with other personal issues with my spiritual life and my faith. Et à ce moment précis, j'étais en train de struggle, I don't know how to say struggle. J'étais en but à d'autres problèmes, des problèmes avec ma foi, avec ma foi et ma vie spirituelle. And so I assumed that dream was referring to those things, but not the organization that I was working. Donc j'ai compris que ma mère me parlait des problèmes spirituels que je traversais et non l'organisation. C'est ce que j'ai compris à ce moment-là. So what I did was I actually prayed about it, and I still prayed about the organization though, because she did mention it in our conversation. Et dans ma conversation avec ma mère, elle n'a pas mentionné mon organisation, donc j'ai continué à prier pour mon organisation. And this is where a few months after that happened. Et quelques mois après que cela soit arrivé. This is where my father found out about the everything I've been doing. C'est là où mon père a découvert tout ce que je faisais depuis ces 2 ans. And I remember that it initially led into three days of intense back and forth debate, arguments and discussions surrounding everything. Donc ça nous a pris 3 jours. On allait 3 jours de discussion, de débat par rapport à tout ce qu'il faisait. And this is where the miracle was beginning to happen. Et c'est là où le miracle a commencé à s'accomplir. Because the thing was, I was actually listening to my parents. I mean, I was still emotionally attached to all the hard work I put in, but I was still listening to them and considering what they were saying. Donc, c'est vrai que j'étais émotionnellement attaché à tout ce que je faisais, mais je continuais à écouter mes parents, à écouter ce qu'ils sont en train de dire. So, one afternoon, my father, actually the day after we had the big discussion about everything I've been doing, he invited me to sit outside. Donc, the day after, right? Yes, the day after. Donc, le jour après qu'on a eu cette grande discussion, mon père m'a invité dehors. And he took me across scripture and he explained to me in a very clear way. Donc, il m'a amené à travers les Écritures et il m'a expliqué d'une manière tellement claire why what I was doing wasn't according to the will of God and why I should change. Pourquoi ce que je faisais n'était pas selon la volonté de Dieu et pourquoi je devais changer. And my flesh was trying to resist and trying to find a reason to justify what I was doing.
Ma chair est en train de lutter et trouver une raison pour justifier ce que je suis en train de faire. But I knew deep within myself, and I could feel God saying, "Hey, this is me talking right now. Like you have to listen to, and you have to obey what He's Et saying." je pouvais entendre à moi cette voix qui dit, ça c'est moi Dieu qui te parle maintenant, ce n'est plus ton père, ça c'est moi Dieu qui te parle, écoute ce qu'il est en train de dire. And then, after we had the conversation, Et après que nous ayons eu cette conversation, I went to go. This was actually, because this was actually the first conversation we had in the morning. I'm so sorry, I actually messed up OK, je the suis désolé, je chronology. suis en train de mélanger les pédales. En fait, ça, c'est la première conversation que nous Yes, avons eue. the first conversation we had one inside, and then we had one Donc, on outside. a eu une première conversation à l'intérieur, dans la maison, et nous sommes allés dehors Yeah. pour continuer la conversation. So after the first conversation I had inside, this is where I really started to think about everything. I was like, okay, and my father doesn't know this, so this is the first time he's gonna hear. Et donc, après cela, il y a quelque chose en moi, et en passant, mon papa ne le savait pas, et c'est la première fois qu'il va entendre cela. But I was actually debating whether I should leave and go on my own. Et j'étais en train de. Donc, ce qu'il révèle, c'est quoi, pour la première fois que j'entends ça, que, en fait, j'étais en train d'avoir les pensées à moi, c'est-à-dire sortir de la maison et aller faire ma vie. And the reason why I chose to do that is because I was landed with a massive opportunity. Et la raison pour laquelle je voulais sortir de la maison, commencer ma propre vie, parce que j'ai eu une très grosse It opportunité. was a multi I don't want to say multi-million dollar contract, but it involved a lot of money. Je ne voulais pas dire un contrat de plusieurs millions de dollars, mais ça, s'il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur But my dans cette histoire. but what I can say was due to my political activism and everything I've been doing, Et à cause de mon activisme politique et tout ce que j'étais en train de faire, they wanted to fly me out in July to go and meet very great people, including the former president of the United donc, States. ils voulaient me mettre dans la, dans la, m'acheter, me mettre dans un avion pour aller rencontrer l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump. And this was immediately after this offer came immediately after we Et had the cette conversation. offre vint after I had the conversation with you, right? So, cette offre est venue juste après que j'ai eu la conversation avec mon père. And I can tell you it was hard Je peux vous dire, c'était difficile. because I mean I understand how this government works, how the people in power operate. Je comprends comment le gouvernement opère et comment les gens du pouvoir fonctionnent. I know very well that in order to be powerful or successful in any branch of American government, you have to compromise your soul at some point. Et je sais que pour être tellement influent, puissant dans le gouvernement, il faut à un moment, à un point, compromettre ton âme. But me, on the other hand, I liked Trump. I mean, I still like him. I pray for him still. And I had this massive respect and want to meet him because of everything he did for the country during Et his en ce qui concerne Trump, presidency. je l'aime, je continue à le respecter et j'ai un immense respect à son égard pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. And so when I was given this opportunity, it was a very difficult struggle. I was actually already making plans with people I was in contact with to see where I would to plan the lodging and everything and the trips Et and all donc, les that gens avaient, with who? with the people I were in contact with, people who invited me. Donc, les gens qui m'ont invité à rencontrer Trump, en fait, j'étais déjà en train de faire on organisait déjà le logement, etc., toutes les organisations, etc. And so it's after that my dad actually called me again, and then it was outside that we had the conversation. Donc, c'est après cela que mon père m'a appelé. En fait, pour résumer, on a eu la première conversation. Et c'est après la conversation qu'il a eu la proposition d'aller rencontrer Donald Trump. Et c'est après la deuxième conversation que je l'ai confronté à nouveau. En fait, j'ajoute cela pour que vous compreniez très bien le contexte. But when my father called me outside that time, it wasn't to confront, but this time it was to actually explain to me what God wanted to know, and also what would be the great things I would get out of serving Christ specifically, not serving this world. Et quand mon père m'a appelé pour la deuxième fois, ce n'était plus pour me confronter, mais c'était pour m'expliquer ce que c'est servir Dieu, servir le Seigneur Jésus-Christ et influencer véritablement le monde.
And so this is where my mind was definitely changed. God accomplishes miracle. C'est à ce moment-là que mon intelligence a été complètement changée. Dieu opère les miracles. And I decided that I wanted to serve Jesus Christ indefinitely. Et j'ai décidé de servir le Seigneur Jésus-Christ définitivement. But now the difficult part was getting that message and bringing that to the people I worked with. Maintenant, le problème était donner ce message aux gens avec qui je travaillais. So, I wrote a long announcement. Alors, j'ai écrit une longue annonce. We actually have a community server that we set up, and this is where I released the announcement for everybody to read. Et il y a un serveur communautaire, that is a server. Server platform. Voilà, donc une plateforme, c'est un serveur communautaire, une plateforme, et c'est là où il a fait cette annonce. And it was received, and surprisingly, initially, I received some a good amount of support. Et I met a lot of people. Avec, de manière surprenante, au départ, j'ai reçu beaucoup de support de plusieurs personnes, beaucoup d'encouragement, de support de plusieurs personnes. But a lot of people were also angry and disappointed. Mais aussi, beaucoup de gens étaient fâchés et déçus. Some people left. Beaucoup de personnes ont abandonné. One of the people who I know for sure, I'm going to say this publicly, because actually, I believe I have some of my friends that are watching this. Et il y a certains de mes amis qui sont en train de... Are they watching right now? Yes, I believe so. Donc, il y a certains de mes amis qui sont en train de regarder actuellement ce qu'ils sont en train de faire. And the vice president of my organization... Le vice-président de mon organisation was the most disappointed I know for sure. Et c'était le plus disappointed. Because I know that because we set up, like my dad said, we set up a lot of great companies, a lot of organizations, which are going to bring in a lot of revenue. And it took a lot of work, sacrifice, dedication to put this up. Il était fâché parce qu'on a mis beaucoup de temps, on a mis sur pied beaucoup d'organisations qui devaient apporter beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Donc il était fâché. But here's what I said to all of them, my friends. Mais c'est ça que je leur ai dit à tous mes amis. What I said to them was, look at every single, and this is also what God told me, but I also said to them, c'est ce que Dieu m'a dit, et c'est ce que je leur ai aussi dit. Look at all of these big organizations, conservative political organizations. Donc, regardez toutes ces organisations conservatives. What they're fighting for is not necessarily wrong. C'est pourquoi ils luttent, ce n'est pas nécessairement mauvais. But the problem is that many of these people who rally, who gather around to fight for what they believe in. Mais beaucoup de personnes qui luttent, qui rejoignent, c'est pourquoi ils luttent. Many of them think they're Christian. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens. But my father happened to offer me a book. Et mon papa m'a offert un livre. And it basically goes over the entire... What's the title of the book? The name of the book is Pagan Christianity. Le livre s'appelle Le christianisme paganisé, en passant de Frank Viola, que je vous recommande aussi de lire. And it essentially summarizes the entire history of Christianity from the first century to modern day. En fait, ce livre fait le résumé du christianisme pseudo, le néo-christianisme moderne, depuis comment il a commencé jusqu'à aujourd'hui. And so after I read, I'm actually halfway through this book. Et en passant, je n'avais que lu la moitié du livre. But after arriving halfway, God told me something. Et après avoir lu la moitié de ce livre, Dieu m'a dit quelque chose. All Christians across the United States, or even in other countries that are fighting for conservative values, tous les chrétiens dans les États-Unis ou à travers le monde qui luttent pour les valeurs conservatives think they're Christian. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. But the thing is, 99% of these people are following pagan ideology. Mais en réalité, 99% de ces personnes, 99, right? 90% de ces personnes sont en train de suivre une idéologie païenne, paganiste. So the question we had to ask ourselves, et la question que nous devons nous poser à nous-mêmes, what is the point of hosting political rallies and trying to change the country? Quel est le but, quel est l'avantage de faire des rallyes politiques dans le but de vouloir changer le pays? When 99% of these people will go to hell anyway. Quand ces personnes finiront toujours par aller en enfer, 99 personnes, ces personnes iront toujours en enfer. Quel est le but? And that is the message that convinced
a certain quantity of my friends to join me in what I'm doing right now. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce message qui a convaincu une partie de mes amis à me joindre par rapport à ce que je fais actuellement, par rapport à ma position à Christ actuellement. And so my friends, these are people who had same interests as me, but they also had a passion and desire to do and to glorify God. Et ces jeunes, ces amis, ils avaient la même passion que la mienne, mais en même temps aussi, ils avaient le désir de servir Dieu. So this is where I was like, okay, me and my father, we talked about everything. It might be an amazing opportunity to set up a time, even again in the future, where we can sit down and discuss the pure doctrine of Christ. Donc, c'est pour ça que je leur dis, peut-être que ce serait une meilleure façon pour vous et moi de vous asseoir avec mon père afin que vous puissiez avoir la doctrine chrétienne. So we planned it all, and yesterday, for those of you who watched it, et nous l'avons planifié, et hier, pour vous, ceux d'entre vous qui avaient regardé cela, we discussed a lot of things. My father went over his testimony and the foundations and pillars of Christianity. Mon père a commencé par son témoignage. Il est allé à travers son témoignage et il a commencé à mettre les fondements du vrai christianisme. And simultaneously, that's when I also announced that I was ready to finally be baptized. Et c'est à ce moment aussi que j'ai annoncé que j'étais finalement prêt de me baptiser et de devenir un disciple de Jésus-Christ. Overall, from this entire experience over the past 2 years, I understand that God can work with people and God can use the skill set that people have for His glory. Et ces deux années que j'ai travaillé, j'ai compris que Dieu peut utiliser les gens avec les talents qu'ils ont, avec les habiletés qu'ils ont. So I decided that I'm going to use the skills I have, whether that be with communicating with people, speaking, or using my rigorous worth ethic. I'm going to put all of that to the service of Jesus Christ. Donc, je vais mettre au service du Seigneur Jésus-Christ toutes les habiletés que j'ai, que ce soit les habiletés de communiquer avec les gens, de... What again? And communicating and my worth ethic. Donc, voilà, communiquer avec les gens mon amour pour le travail, mon habileté de travailler. So that way we can build a massive community of real Christians who know the real truth. De telle manière que nous pouvons bâtir une communauté de chrétiens et connaître vraiment la vérité. And through that we can perpetuate the true gospel to the entire world. Et de telle manière nous pouvons perpétuer le vrai évangile à travers le monde entier. And that's my testimony. Et ça, c'est mon témoignage.